c'est une femelle, les gars. Alors, le mâle, il est de l'autre côté. Mais bon, il faut qu'il se rencontre pas. Comment ils font? Parce que là, il y a le fruit. Au départ, il y avait la fleur femelle. Le mâle. Alors, il peut, voilà, le pollinisateur peut être un oiseau. L'oiseau va prendre du pollen, va les poser sur la femelle, et puis il va y avoir pollinisation, et puis séquenation, et puis. Mais là, c'est pas un oiseau. Non plus. Non plus. Ah non, il n'était pas là. On n'était pas là. Pour... pas comme pour la famille, c'est l'homme qui a découvert. Qui a découvert, mais au départ, c'était la guêpe. C'est la guêpe qui a découvert la famille. Hein. Vous ne savez pas? Alors, si vous trouvez un principe, en fait, genre des gaufres, il n'y en a pas. Alors, donc, on n'y pense jamais, hein, les animaux, mais en fait, le pollinisateur principal de cette palmier, c'est le gecko vert. On a découvert ça il y a quelques années, c'est-à-dire que ben, après pour découvrir ça, il faut être patient. Il faut voir le pied de mirail, rester sur le terrain de grand, en espérant que justement le gecko vienne se déplacer. Alors donc on a vu que le petit gecko, ben, il venait avec sa langue prélever le nectar. C'est ça qu'il vient chercher le nectar, mais sans savoir, il y a la poudre de pollen, hein, comme c'est son chou. Après il va dans un arbre, hein, et c'est comme ça, c'est ben, c'est comme ça qu'on en parle. C'est un des rares fruits. D'accord, endémique comestible. Alors quand je dis comestible, je n'ai pas dit bon, hein. Je dis comestible, oui. Pas du poison. Voilà, c'est pas du poison. Et pourquoi je dis ça? Parce que regarde autour de nous. De différentes couleurs pour les garçons. Tout est introduit, hein. Tout ce que vous mangez à la réunion a été introduit. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Oui, c'est ça. Mais il faut comprendre, hein, pour arriver à la réunion perfectionnée. Dans votre émal, en fait, une pomme traversée de son rangement, parce que la graine est pas réelle. Je vois très mal, ça fait goler. C'est des petites mouches. Voilà, donc rien, les pommes et les mammifères aussi, je vois très mal. Pourquoi tu filmes les gens? Tu filmes les toits. Il y a très peu de mammifères. Hein. Les seuls mammifères, c'est les mammifères volants. Oui, j'aime bien. Donc voilà, donc le latanier. Alors, donc on a une autre espèce, hein, donc dioïque ici, qui s'appelle le bois de santerre. Hein. Après, c'est le bois de santerre. Et en fait, le bois de santerre, c'est parce que, en fait, ça c'est mon frère, mais si on devait traduire en français, ça donnerait le bois de chanteur. Mais en créole, le son che ne se passe pas forcément ici. Par exemple, on ne dit pas une chemise, hein, un saumise. D'accord, on ne dit même pas une. Hein, on...